Et bonsoir, Jean, c'est Willy. On se trouve pour le dernier épisode de notre Let's Play sur God of War, l'épisode 21. Probablement le dernier, comme j'ai dit. Nous revenons d'un combat assez épique contre Baldur et Freya, qui s'est soldé par la mort de Baldur. Finalement, il n'était pas si immortel que ça. On a pu rompre le sortilège. Sinon, le Saperman nous a sauvés contre le géant manipulé par Freya. C'était un énorme bordel, hein. Je vous invite à aller voir ça parce que c'était vraiment épique. Et du coup, là, il ne reste plus qu'à rejoindre le pont afin d'aller à Jotunheim. Vu qu'on a chopé l'œil de Mimir dans le bide du Serpent Monde. Du coup, ce n'est plus très loin. On va y aller tranquillement, en papotant qu'Atreus. D'ailleurs, Atreus qui connaît nos origines, qui sait qu'on vient de Sparte et qu'on a tué notre père. C'est pour ça qu'il fait toujours la guerre. Ce n'est pas aussi simple. Mais j'espérais que l'amour l'adoucirait et nous apporterait la paix. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir le rendre heureux. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en contrer. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya, et elle lui a appris une partie de la magie vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. L'aperçu qu'il avait eu de la magie vanne l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. Il faut que j'aille par là. Eh bien. Est-ce qu'on va affronter Odin? C'est la question que je me pose. De toute façon, je pense que si on l'affronte pas maintenant, on l'affrontera dans un God of War 5. Ou God of War 2, si vous préférez. Parce que là, on a vu Baldur, mais on n'a pas vu Thor, on n'a pas vu Odin. Et on en parle depuis quasiment le début du jeu. C'est pour ça que ça me paraît un peu bizarre. D'ailleurs, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai pas mal d'argent. Même s'il m'en faudra encore plus. Et du coup, je peux accoster par là. Hop. Allez. On monte. Est-ce que le serpent monde est là? Parce que j'ai envie de le revoir, le pépère. Il était cool. Je l'aime bien. C'est notre pote maintenant. C'est notre bro. Oula, mon téléphone se m'a vibré violemment. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que t'as, petit gars? Rien. On s'en fout. Du coup. C'est là que je dois aller. Pour invoquer le Bifrost. Attendez, y'a les nains. Me dis rien. Quelque chose à transformer? Quelle surprise! C'est parti. Allez. Je peux toujours rien acheter. Mais bon, c'est pas grave. Le truc de l'âme guerrière aurait pu m'intéresser, mais bon. Osef. Ouais. Visiblement, y'a rien. Hein. Il me faudrait 60 000 pièces. Mais je n'ai pas. À moins que je peux vendre des choses. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Oh, je pourrais vendre des choses là. Ouais, bof. C'était l'heure de ma pause de toute façon. Attendez. Je m'occupe de ça. Non, j'ai pas d'objet perdu. Ok. On a beaucoup de compétences qu'on peut débloquer.
probablement aussi beaucoup d'attaques. Donc. Hop. Ça, c'est bon. Et ça. C'est bon. L'arc de truche, il est bien. Donc, les compétences. Allez hop. Et à l'arc. On va se mettre au max. Comme ça, on est sûr que plus rien ne pourra nous arrêter. Allez. Partons. C'est parti ! J'arrive pas à le prendre, on va voir les géants ! Enfin, si tout se passe comme prévu. Oui, parce que... voilà, tu sais qu'il se passe beaucoup de choses... Vas-y, sélectionne Jotunheim et nous partirons. Et beaucoup d'imprévus. Enfin, je crois. On espère. Allez, Pavanaya, Jotunheim. Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en discuter. Non. Ça va bien se passer. Prêt ? Oh, c'est très désagréable ! Maintenant, Atreus ! J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferais mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, bah les 12 fesses de Lady Sif. Vous avez réussi. Désolé. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non, 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 non. Oh, ça va, c'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, je peux pas. Oh. D'accord. Prêt. Viens. Ah... Trouver le plus haut sommet de Jotunheim. Eh bien, visiblement, on y arrive. Oula ! Vous amusez pas trop sur nous, hein. Vous amusez pas trop. Est-ce qu'il y aura pas un Jean qui va venir nous embêter ? Et qu'on va devoir tuer ? On peut marcher, hein, tu sais, Atreus. T'inquiète, après tout ce qu'on a fait, là, on a mérité un peu de marche, de tranquillité. J'ai envie de dire. Par contre, j'espère que ça va pas se terminer comme ça. Sur la fin, il y aura un petit truc, une belle cinématique, un combat épique, Thor qui arrive pour nous casser les couilles, un géant pas content, tir, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va arriver là-bas. En tout cas, on est prêt. On est quasiment full stuff. Et au max de nos capacités. Allez.
Et donc. Allô? Ah! Regarde! On est sur les doigts du géant! Le plus haut sommet est juste devant! Je le vois! Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Atreus. Porte-la. Ah là là, c'est tellement beau. Allez, on y est presque. Atreus. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. D'ailleurs, je n'ai pas entendu depuis. Ok, c'est par là. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté les derniers des géants. Odin et Thor, les rois de la destruction. Après nous. Parce que bon, au niveau destruction, nous, on est pas mal aussi. Oh, un truc écrit là. Ça fait quoi si j'appuie là? Midgard était un rêve, un monde de partage entre les Jotnar, Asvan, Elfna et plus que tout, mortel. Un lieu magnifique, mais tous ne sont pas capables de partager. Oui, ça n'échappe pas leur contrôle. Raillés, trompés, utilisés. Massacrés, Odin et les siennes ont été bannis de notre royaume et cela n'a pas suffi. La colère de Thor à son terrible marteau a décimé nos rangs à Midgard de façon alarmante. Nous n'avons d'autre choix que de battre en retraite tant que certains sont encore en vie. Ils auraient massacré tous les gens s'ils avaient pu. Ah! C'est pas cool. Ce n'est pas cool. Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi maman nous a envoyés ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Ok, je peux pas mettre... Je peux pas sortir mes armes. Oula. Merde. Il se passe quelque chose. C'est ta hache. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle connaissait les géants. C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi? Et notre combat avec Baldur.
Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne, le maçon de pierre, tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Ah, donc Faye était une déesse aussi. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... ah, donc Faye était une... Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini maintenant. Oui. C'est presque fini. Oh oh. C'était pas une image de Kratos mort là ? Je vais me méfier de toi. Non, je rigole, mais bon, d'une façon ou d'une autre, il va se passer une connerie avec Atreus et moi. Je ne sais pas quoi, mais ça sent pas bon. C'est celle de mer. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Je pense qu'elle va pas trop galérer non plus. Comme nous, hein, mais bon. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. Elle s'est pas fait Baldur à 2 contre 1. Elle ne s'est pas affrontée contre un géant. Elle n'est pas allée chercher un cœur à elle. Elle a pas fait le même chemin que nous. Elle a fait un truc plus simple. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Si on n'avait pas eu autant de problèmes. Et juste avec sa hache. Pas avec mes lames du chaos. Ça, tu t'en sors, Atreus ? Hop. Ok, c'est le sommet. Et là, c'est là qu'on se dit, ah non, c'est celui qui est là-bas.
merveille. Je t'aime, maman. Ces géants. Ils ont vraiment tous disparu. Y a rien pour nous ici. Viens. Donc, si maman était une géante, tu es à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Il y a quand même une chose que je comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient Loki. Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Du coup, on sait pas tout sur Atreus encore. Eh bien, rentrons. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle voulait qu'on l'amène ici pour être avec les siens. Mais tu crois qu'elle savait ce qu'on allait trouver ? C'est ça qu'elle voulait nous montrer ? Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret ? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je te laisse décider. Oh. Bon, eh bien, on a fini le jeu. Franchement, c'est un jeu qui est super cool. Magnifique, et que ce soit par ses graphismes, son gameplay et sa narration, son histoire. Dis, pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus ? C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Non, c'était un soldat, un spartiate. Un grand guerrier ? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs, nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Wow, ton histoire était incroyable, mais Mimir l'a raté. Allez, on redescend. Ah là, qu'est-ce que c'est classe. Par contre, oui, Atreus s'appelle Loki. Plus la peinture qu'on a vue. Oh, je sens qu'il y a une petite couille qui va se passer. Hein. Si on a une suite, je sens que ça va pas être joyeux. Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison. Mais c'est peut-être aussi pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons, que ferait Atreus de Sparte ? Et que ferait Loki ? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Mais Loki, normalement, c'est pas le frère de Thor. À moins que j'ai raté un épisode. Mais il a rien avec Thor. Bref, rendez-nous Mimir. Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un nombre de mesures excessifs et entrepris de se quereller sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène ? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs ?
Exploratrice, continuez l'exploration. Rendez service aux nains. Libérez des dragons. Rendez-vous à Muspelheim et Nilfheim. Trouvez de nombreux objets à l'atelier afin de vous constituer un équipement assez puissant pour vaincre les légendaires Valkyries corrompues. Ah! Oui. On pourrait, elles sont où? Ah, il y en a une là, je crois. Ah non, c'est un troll. Ouais. Ben, je pense pas vous le faire en vidéo. Oh! Nouvelle partie de plus permet de commencer une nouvelle partie en conservant votre équipement, votre XP, votre argent et les objets cachés. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Au revoir. Du coup, oui, le jeu était génial. J'espère qu'il y aura une suite. Bon, il faudrait que je me fasse un classement un jour de mes jeux préférés, mais lui, il a de grandes chances d'être dans le top 10 facilement. Parce qu'il est tellement bien, j'ai tellement kiffé. Et du coup, ben, on se reverra si c'est un God of War 2 ou God of War 5. En attendant, je retourne à Midgard. Parce que il y a une fin secrète. Pour l'arrivée de l'hiver. Pas un hiver comme les autres. Un grand hiver qui durera 3 étés et dont la fin marquera le début du Ragnarok. Le Ragnarok, à cause de la neige. Oui. Voilà. Encore de la neige. Et puis la vie, c'est fin du monde. À peu près dans cet ordre. Une autre prophétie. Non, mon frère. Selon la prophétie, ça n'arrive pas avant encore au moins une centaine d'hivers. Vous avez changé quelque chose. La prophétie ne s'attendait pas à vous. Ok, donc, je résume, si on a un God of War 2 ou God of War 5, moi qui meurs, Atreus slash Loki, on apprend plus sur lui. C'est Fimbulwetter, j'ai le fondement gelé, c'est le grand hiver. Ah, je peux pas en prendre la porte. Ragnarok, Thor et Odin pas contents. Ils sont pas contents. Oui, Ragnarok, Atreus, moi qui meurs, Odin, Thor. Ça pue. Oui, je peux acheter des choses. Oui, on a entendu. Si vous rentrez, ne traînez pas en route. Et surtout, oh. Et puis si vous rentrez pas, même conseil. On a des attaques pas trop mal. C'est tout. Il y a des ressources. Qu'est-ce que je peux acheter en ressources? Oups. Je peux acheter ça. Je peux acheter. Ouais. Ouais, ouais. On s'en fout. Aucun foutu problème. Je peux m'en aller maintenant? Oui. Donc tout gèle. Freya est pas contente. Ragnarok, Thor, Odin, Atreus qui. Et moi qui meurs. Ça annonce un joli programme pour God of War 2, 5. En tout cas, la suite. Comment je rentre chez moi? Parce que je sais qu'il y a une fin secrète. Parce que je voulais le dire tout à l'heure, mais j'ai oublié. Il y a une fin secrète. Et pour ça, il faut que je rentre chez moi. Du coup, il faut qu'on rentre chez nous. De toute façon, on n'ira pas dans les autres royaumes pour tabasser les autres... Dieu slash mob slash tout ce que vous voulez. Du coup, c'est par où la maison? Faut que je trouve la maison. On est enfin rentré. Et on rentre. C'est une éternité. Et ça oui. Ça désiré, mais c'est toujours mieux que d'avoir de l'écorce dans le postérieur. Bon, du coup, vous êtes prêts pour la fin secrète? Normalement. On y est. Je vais dormir tout l'hiver. Bien, ça ira. Dors. Je t'ai pas attendu.
bien des années plus tard. Qu'est-ce que c'était ? Ton arc ! Ok, bon bah ça nous tease, hein. On va avoir Swaite contre Thor. Et on a les crédits. Bon, j'ai déjà donné mon avis, hein. Le jeu est très cool, je le kiffe. Ça va être la merde pour le prochain, parce que tout va nous tomber dessus et on va mourir. Et voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. J'ai très hâte qu'il sorte. On l'aura pas avant au moins facilement des années. Mon téléphone a failli tomber. Mais bon, je patienterai pour avoir mon God of War 2 sur PS5 sûrement, à tous les coups. Mais qui sera encore plus beau que celui-là du coup, c'est un avantage, même si celui-là est déjà magnifique. Et du coup, bah, que dire, à part j'ai hâte. Bref, sur ce, je peux vous dire merci d'avoir regardé ce let's play, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé du jeu, du let's play, de tout ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. On est bientôt 1200 abonnés, ce qui est un très beau chiffre. Et je pense que nous continuerons à augmenter ensemble, tout en continuant à faire des let's play et à y prendre du plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description et je l'afficherai peut-être ici. C'est plutôt cool, on parle de jeux vidéo, de manga, on parle un peu de tout quand même, mais principalement jeux vidéo et manga. Mais c'est à savoir qu'il est vraiment sympa, il y a une petite ambiance, il n'est pas non plus ultra actif, mais il y a quand même son lot de petits habitués qui parlent souvent à peu près tous les jours. Du coup, si vous parlez tous les jours, vous aurez au moins une voire plusieurs personnes à qui parler. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je suis un petit peu moins actif, mais j'essaye de tweeter un petit peu, pas tous les jours, mais un petit peu toutes les semaines. Et voilà, je pense avoir tout dit. Du coup, on se retrouve très vite pour un tout nouveau let's play. Je ne sais pas trop encore sur quoi. Je pense sur Rayman ou sur South Park. Je vais y réfléchir de mon côté et on verra. Peut-être du Rayman, vu que c'est un petit peu court. Et après, on repartira sur un let's play un peu plus long. Peut-être du Mario ou un jeu Nintendo, je sais pas trop. On verra ça plus tard. Si vous avez des propositions, bah n'hésitez pas. Hein. Peut-être que je pourrais les faire. Du moins après Rayman ou après durant l'année 2020. Bref, merci à tous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Atreus, tu es prêt ? Oui, mais j'ai fait un rêve étrange. C'était la fin de Fimbulwetter et Thor nous attaquait. Ici, à la maison. Ce n'était qu'un rêve. On aurait dit que non. Ça semblait vrai. Comme si c'était... l'avenir. Dans ce cas, nous verrons ça demain. Pour l'heure, il nous reste des choses à faire. Viens.